What's up les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Shirin et Kenza. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler cheval. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je suis cavalière depuis 10 ans. Shirin elle est pas du tout cavalière. Avec Shirin, on se rassemble sur tout, sauf sur le cheval. En ce moment elle fait que de me critiquer. T'es une grosse mytho. Si, en ce moment tu fais que de critiquer le cheval, Shirin, c'est abusé. Mais en fait c'est juste que... Le cœur. Non, c'est juste que... Je suis désolée. Non, attends, c'est juste que les cavalières, vous êtes grave susceptibles. Genre on dit un truc genre, oh sa crinière elle est moche, ça y est, t'en peux plus. Ça annonce la couleur de la vidéo en fait. Dans cette vidéo YouTube, vous allez découvrir Shirin la peste. Très cocooning là, j'adore. Oui, déjà on vous retrouve dans un cadre magnifique, vous pouvez me féliciter moi parce que c'est mon inspiration. Non, c'est bon. Plus les vidéos YouTube avancent sur notre chaîne, plus on essaye de progresser sur le son, sur la caméra. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si on upgrade. Dernièrement sur TikTok j'ai fait une vidéo où Shirin réagissait à des youtubeuses équestres que j'aimais beaucoup. Genre vous avez kiffé et maintenant vous voulez que Shirin réagisse à vos vidéos. Du coup vous m'avez envoyé des vidéos par mail. C'est vous hein, c'est votre choix hein. Vous avez dit oui hein. Vous assumez en fait. Vous voulez que Shirin vous juge. Voilà, t'es gentil quand même. Je connais personne en plus, je connais des gays, je vais lui dire ce que je pense en fait. T'es ready? I'm ready. Non mais c'est vous hein, vous l'avez déjà vu quand elle a critiqué nos youtubeuses préférées en fait. Voilà, vous savez à quoi vous attendre. Et ceux qui sont pas cavaliers, cavalières et qui connaissent rien comme moi, venez, on s'assoit, on regarde et on dit ce qu'on pense. Même si on ne connaît pas le monde du cheval comme ils disent dans les commentaires, on a le droit de critiquer en fait. C'est comme quand tu vois des danseurs, bah toi t'es spectatrice, tu sais pas danser ou t'as pas envie de danser ou t'as capté, bah t'as le droit de dire ce que tu penses, t'as le droit de dire oh est-ce que j'aime bien ou j'aime pas. Vous les cavaliers on dirait que parce qu'on n'est pas cavalier ou cavalière, on n'a pas le droit de donner notre avis. Mais c'est comme sur la danse, s'il y a du break, bon moi je m'y connais en danse, mais il y a du break et tu dis oh il fait des galipettes ou il fait des roulades, ça fout le seum. Parce que c'est un truc de ouf ce qu'il fait. Ouais, ça, de ce côté-là, je comprends. Ouais. Bon, allez, vas-y, c'est parti. C'est trop mime, ça s'envoie des vidéos. Alors, on a Clara. Coucou Kenza, voici ma vidéo d'une chute. Je crois que ma chute. Je crois que chute plus nulle que ça, ça n'existe pas. Bonne soirée. Ça commence bien. Mais Clara, les abdos! Ah, c'était tellement. Mais toi, elle va faire que de regarder les vidéos! Non, mais elle est mignonne parce Mais par contre, le cheval, je l'ai déjà vu! Ah ouais? Attends, déjà, c'est moi qui critique en fait, donc tais-toi. Ah oui, pardon. Elle est mignonne parce que. Oh! Oh, boum! Oh mon dieu! Mais elle est mimes parce que. Elle tire pas sur le. Oh, regarde, elle lui fait rien après, tu vois. Ça, j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Elle réagit bien, je trouve. Oui. Mais on est beaucoup à être comme ça, je trouve. Non, tais-toi, fais voir la vidéo. Faut arrêter de croire que. Léa, personne n'a été blessé. Plus de peur que de mal, cheval, indienne, c'est son prénom. Ok. Ouais. Cavalière Léa, Insta. Hey, tu mets ton Insta, Léa. Ah ouais. Léa, c'est LLX. Désolée pour la qualité de la vidéo. Oh là, c'est un concours. Attends, mais le son. Wow. Oh putain, c'est ça que j'aime pas. Mais ce qui ne me fait pas ça, je suis énervée. Vas-y, remets la vidéo. Comment ça, personne n'a été blessée, Léa? Ça me vénère. Mais il a trébuché. Mais ce qu'il met c'est pas. Tu vois j'ai envie de pleurer. Oui mais tu crois que c'est de la faute de. De Léa. C'est pas la faute de Léa Miskina. Les barres sont toutes petites. Non mais pas de Léa mais des cavaliers. Mais comment ça les barres sont toutes petites? Mais ce qu'il le cheval qui lui a dit de sauter comme ça. Ça me vénère. Bon bah c'est elle qui doit juger. Là je suis énervée là. Cœur Léa. On se comprend t'inquiète. Ok c'est. Waouh quand tu vois les chevaux sauter et tout. Mais tu vois dans des situations comme ça. Mais ce qu'il le cheval. C'est toi qui as décidé de le faire sauter. Oui, c'est oui, toi. Oui. Tu vois, par contre, tu veux pas fermer ta gueule. Mais laisse-moi parler parce que depuis tout à l'heure, tu me coupes la parole. Vas-y. Ce que j'aime pas, c'est que, ok, waouh, tu fais des jumping, tu vois des chevaux sauter et tout, c'est sportif, ok. Mais moi, à partir du moment où ça m'énerve, c'est quand il y a des blessures. Et là, le cheval, ok, personne n'est blessé. Mais le cheval, je suis désolée, il s'est fait mal quoi. Genre, il est tombé par terre. Tout ça pour faire des sauts et que des gens applaudissent à des concours. Moi, ça m'énerve. Moi, ce que j'aime pas avec toi, c'est que t'es extrémiste. C'est comme les véganes qui disent non, fermez les boucheries, mangez que de la salade. Est-ce que je dis arrêtez l'équitation? Non, non, t'es exactement comme ça dans le cheval. Je dis arrêtez l'équitation. Il y a des gens. Non, mais attends, il y a des gens. Les chevaux, ils sont montés depuis des siècles, Shirin, ok. Est-ce que il y a des chevaux, ils faisaient la guerre. Est-ce que je dis qu'il faut arrêter de monter les chevaux? Bah alors exprime-toi autrement. Est-ce que j'ai dit ça? Déjà, faire attention.
Faut faire attention. Non, au pire, tout le monde ne peut pas sauter, quoi. Bah voilà, faut... Par contre, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ceux qui sautent alors qu'ils n'ont pas le niveau ou que le cheval, il n'a pas le niveau, ça, je déteste. Attends, je te dis juste un truc. Par exemple, ton cheval, il peut passer... Il peut sauter 90 cm. Et bah moi, je préfère les gens qui restent sur 60 cm. Comme ça, ils sont larges. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Et des fois, bah les gens, ils vont trop tôt en concours. Mais ce qui en plus, j'ai même pas dit, ça me fait mal au cœur pour Léa qui est tombée. Bah oui, fais un bisou à Léa, en fait. Non mais Léa, bisous. Moi, je suis là, je te cache pas dans la vidéo, c'est pour parler des chevaux. Tu vois, les cavalières, là, vous êtes pas mes amis, là, vraiment. Margot, coucou Kenza, voici ma vidéo, je ne suis pas tombée, mais presque. Oh, c'est du crochet. C'est du cross. Oh, putain. Ouh là là. Ouh là. Il a voulu te tèche, tu vois. Non, il a voulu la tèche. Il a voulu la tèche. C'est parce qu'en fait, elle n'a pas accompagné son saut. Tu vois, elle l'a pas accompagné. Du coup, le cheval, ça l'a saoulé. Il a dit, hey, meuf, tu m'as saoulé. Ça, j'aime bien les chevaux qui s'expriment comme ça. Mm. Comme ça, ils peuvent te dire, tu m'as saoulé, abuse pas. Tiens, je suis gentille, je saute. Non, Margot, ça passe. De toute façon, le croche, je peux pas regarder, moi. En fait, je peux rien regarder. Mais pour ça, t'as envie de voir des jumping et tout. Mais en fait, moi, c'est le spectacle que j'aime. Quand je vois que c'est, tu vois, que c'est géré, que c'est des... C'est des professionnels, tu vois. Ouais. T'as pas confiance en nous, quoi. Non, mais... Les cavalières de club, quoi. C'est quelque chose, quoi, de monter des chevaux, tu vois. T'es là, tu les fais sauter, tu vois, les balades et tout. Moi, c'est pas pareil. Moi, c'est vraiment le saut. Yona, elle a rien écrit. Ah, si, première année d'équitation, première puissance, 1m5 avec ma star. Parce que première année d'équitation, 1m5, j'en ai beaucoup dans les commentaires. Je me dis, comment vous faites? Donc, en fait, c'est pour ça péter qui dit ça, ouais. Première année d'équitation, 1m5. Attends, j'ai une story time sur ça, Chérine. J'ai donné des cours d'équitation pendant 5 ans et une fois un cours, parce que tu le connais le petit, il est trop mignon, je l'aime trop, mais une fois il m'avait dit ouais, moi Kenza je saute 1 mètre en cours et tout, 1 mètre c'est beaucoup 1 mètre hein, quand même. Hein. Ouais. Et après je dis ah ok, et là je lui donne cours et je lui remets des barres mais vraiment genre à 20 cm. Hein. Ouais. Et il est en galère. Et du coup je dis bah il est où le 1 mètre là? Non, mais en fait, c'était un maître. Oh, j'ai kiffé ce petit... Avec un autre cheval. Du coup, des fois, je pense que vous voyez un peu trop haut les bas. Bah, déjà, elle explose le dos là. C'est ça un maître? Bah, c'est petit. C'est pas un maître. Ah, ouais, c'est 20 cm, genre. Ah, elle a dû se tromper. Ah non, ça c'était plus haut. Ah! 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 Ok. Ah ouais! Ah ouais! C'était Mims. Mais par contre, tu lui éclates le dos, tu vois? Boum! 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 Tu vois, c'est quand tu fais ça. Non, j'avoue, je suis un peu en galère en ce moment. Ah si! Bravo! Hein, parce que j'avoue, sur le 1 mètre, c'était joli après. Yona. Ouais. Ah mais si, elle a pas menti, Yona. T'as pas menti, on a cru que t'avais menti, Yona, mais t'as pas menti. À partir du moment où vous voulez monter sur un cheval, respectez-le. Et rac sur son dos, non, tu vois. Ouais, mais je pense qu'elle va progresser. Mais bien sûr qu'elle va progresser. Mais moi, je suis là, c'est pas pour cueillir des fleurs, tu vois. Oui, c'est vrai. Yona, on lève les fesses et on serre les jambes. Ah, non, mais t'as des bons conseils. Bah, je sais, mais moi, je sais, en fait. Je sais, c'est juste que vous savez pas faire, quoi. T'appuies sur les étriers, t'appuies sur les talons. Sur les étriers, sur les talons, choup, comme ça. Les cuisses, on serre. On serre. Bah oui, on contracte. Non, les mollets. Tout, les mollets, tu peux pas contracter les mollets. Bah justement, si, nous on a cette capacité, les cavaliers. Tu contractes tout l'abdos fessier aussi. Hein, ouais. C'est pour ça que toi t'as du mal. Bah oui, j'ai trop du mal à me lever de ouf. Amy, voilà une chute que j'ai fait dernièrement en stage de saut, la tête en plein dans les chandeliers. C'est quoi les chandeliers? C'est les bas, c'est les trucs qui portent les barres. PS, je vous rassure, j'ai juste eu un petit bleu à la mâchoire. Et quelques blessures. Vas-y, j'ai mal à la tête. Ouais. Faut pas faire ça pour Chérine, vous êtes des ouf. Ça, je peux m'évanouir. Mais non, mais ils aiment bien abuser. C'est les cavaliers. Elle a pas dit comment il va le cheval. Elle a parlé que d'être. Parce que Amy, je suis bien contente. Mais non, mais le cheval, je suis sûre, il l'a abandonné. Il est parti. Je suis contente qu'elle aille bien. Il va bien, il l'a juste. Moi le cheval il va bien, c'est le plus important. Miskina Amy. Non, Amy, Miskina. Mais regarde Amy, tu dors, wesh. Bah oui, allez. Bah Amy. Le cheval il est resté droit en mode ping. Mais non, mais déjà, premier saut. Amy, on dirait. Par contre, ça va. Enfin, je veux dire.
Oh, j'ai cru que ça allait être pire sa chute à elle. Non mais tu sais, Miskina s'est éclatée contre la barre. Non, toi t'as vu le cheval, il va bien, tu mais t'en fiches. Mais non, en vrai, c'est... non, je pensais que c'était beaucoup, tu sais, genre en mode comme ça. En vrai, ça va, c'est qu'elle s'est prise sur le dos. Par contre, les chevaux comme ça, moi je kiffe parce qu'il s'est dit le premier soir m'a saoulé. Ouais. Le deuxième, c'est mort en fait. Ouais, parce que tu vois, c'est ça. À partir du moment où tu fais non, bouge, trop. Elle est en mode. Elle a eu confiance. Quoi. Un peu comme toi, tu vois. Et j'avoue, je suis grave comme ça. Ouais. Moi je me dis, ça va passer crème et ça passe pas. J'ai bien aimé la vidéo d'Amy. Et puis le cheval, il était pas malheureux, quoi. Ça va. Je dirais que c'est un beau par contre, cheval. Hein. Par contre, il est canon. Il est canon. Hein. Personne... Enfin, j'ai entendu la personne qui l'a filmé. Oh, Amy! Genre, ça se voit que tu fais souvent ça, Amy. Hein. Salomé! Salomé nous a mis deux vidéos. Hello Kenza, j'ai pas spécialement de chute ou de vidéo incroyable, mais je me suis dit que ce serait toujours drôle. Alors voilà les miennes. La première vidéo est une chute, mais personne autour a réagi. Même ma mère, elle s'en fiche sur l'audio, c'est fou. Et la deuxième, c'est juste un fail, mais le désarroi, le désespoir dans ma voix est présent. Rien de grave sur les deux vidéos, je ne me suis pas blessée et le cheval non plus, en espérant que ça te plaise et passe une bonne journée. PS, continue ce que tu fais avec ta sœur, vous nous faites rire au quotidien, c'est merveilleux, je suis sûre, en tombant sur vos reels, que je vais avoir ma dose de rire et de bonne humeur. Oh, trop mignonne. Mais par contre, je l'aime déjà en fait. Elles sont au courant que la vidéo, c'est que je critique leur vidéo ? Bah, elles savent parce que j'aurais dit... elle a critiqué les youtubeuses équestres, okay. Et il y en a une, elle a dit ah, elle peut nous critiquer nous. J'ai dit non, mais c'est pas parce que go. Ok, c'est pas, je me fais gardave par des cavalières quand je sors de la maison. Elles vont rien faire, hein. Elles sont mignonnes. Vas-y. Salomé. Oh putain, elle a dit rien de grave. Salomé, t'as étranglé le cheval en fait. Mais elle a pas étranglé. Bah si, regarde, elle lui a mis l'encolure sur le truc. Elle a mis son corps là, regarde. Ah ouais, j'avoue. Ah oui, bof. Je suis super énervée. T'es énervée contre Salomé? Ouais, je suis Salomé, tu m'as vénère là. Moi j'ai pleuré à la fin parce que franchement ça me fait mal au cœur. Salomé, putain t'es... Mais elle a pas géré Salomé. Mais non, mais tu sais que c'est pas Salomé ni le cheval, c'est le moniteur. Oh non, pour non, c'est le moniteur. Comment ça c'est le moniteur? Bah le moniteur il devrait se dire Salomé et ce cheval là, je les envoie pas sur ça, tu vois. Le moniteur il doit le voir de l'angle là-bas qui est... Remets, que ça le fait pas. Il a de l'espoir. Le hop là. Je suis énervée, Salomé. Oh, c'est bon, on a une deuxième. Vas-y, mets la deuxième. Ouais. Ah, c'est le genre de cavalière qui extériorise. Oui, extériorise. Ah ouais, calme-toi, Salomé, calme-toi. Mais des fois, t'as besoin d'extérioriser, en fait, ce qui se passe dans ta tête. T'as d'extériorise jamais. Moi, je fais des grimaces. Elle a dit toujours plus. Ouais, parce qu'il va vite. Ah ouais. Salomé, moyen. Je suis pas... Déjà, la vie de ta première vidéo... Ça, je suis vénère. Salomé, nous avons dû durer, bah, elle a dit ouais, c'est chill. Ouais, grave, tranquille. Bon, par contre, merci pour ton message d'amour, Salomé. Mais là, je suis en mode, t'as vu, je suis en mode critique cavalière. Faut pas, tu vois. Yelling. Oh, j'aime trop ce prénom. Coucou, j'espère que tu pourras prendre ma vidéo. Bisous. On prend ta vidéo, Yelling. Je le sens pas. Je le sens grave pas. C'est une grosse patate, le cheval, miskin. Hein. C'est un cheval de traîneau, ça. Tu dis un cheval de trait, non? Bah c'est un cheval... T'es dépresse, un cheval de trait. Un cheval de trait. Ils sont canons ces chevaux-là. Mais ils sont trop beaux, mais il a pas demandé à sauter. Il a le droit de sauter? Mais ouais, il a le droit de sauter. Non, ok. Tu vois, parce que j'ai l'impression que ça rac rac, ça explose le dos du cheval, non? Non, parce qu'elle est en équilibre. Mais elle est en équilibre, tu trouves? Oui. Bah pourquoi quand elle atterrit, ça fait boum boum boum? Mais non, t'as toujours un mouvement comme ça. Non, je suis désolée, quand je vois les beaux jumping là. Oui, mais ça. Tu sais, tu vois qu'ils ont les abdos. Oui, c'est pas les mêmes chevaux, hein. Arrêtez de tout mettre sur le cheval un peu. Non! Vous aussi, là. Non, non, bah c'est bon, je les défends. Tu sais, si moi je les critique aussi, ils vont pas s'en sortir en fait. Quand tu vois le jumping de la boule là, quand ils ont fait leur saut méga haut que vous ne faites pas. Ouais. Tu vois? Et bah quand ils atterrissent, tu vois, ça fait. Tu vois? Genre, ils sont en haut. Ouais. Tu vois? Y a pas leur. T'as raison. Comme ça sur la scène. T'as raison. Tu vois, je suis désolée. Pourquoi tu t'exprimes comme ça, la caméra? Bah, je sais pas comment dire. Ils sont sur un nuage, tu vois. Oh, t'as raison, chérie. C'est ça que je vais voir la prochaine fois, Kinza. Ok. Sur un nuage, vas-y, je vais faire ça. Dès que tu sors du saut, il faut que tu sois toujours en expansion. En suspension. En suspension. Ouais, en suspension. Ouais. Tu vois. C'est pas que tu mets ton boule sur le cheval et c'est bon, tu vois. Okay. T'as capté? Vas-y, next. Merci Yéline pour ta vidéo. Julie, c'est une vidéo de chute. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle nous a fait un petit mail ou pas? Coucou, voilà ma chute pour la vidéo avec ta sœur, bisous. Ok, oui, ils savent. Oh, c'est beau. Ouh, pardon, la boue, lâche-le. J'ai la chute. Bonne...
C'est mignon, par contre j'aime bien les caméramans. Ouais. Et j'aime bien Julie, elle a le smile. Léane, il faut savoir, tu es belge. Non, je rigole. Il faut savoir qu'il fallait faire la Macarena et que j'avais décidé d'enlever mon airbag pour mettre ma dorsale juste avant. Mais je vais très bien, j'ai même rigolé. Donc ça veut dire que tu as sauté, que tu es tombée sans airbag en fait. Mais qui t'a dit qu'elle a sauté? Bah elle a dit je vais très bien. Elle a dit faire la Macarena, c'est sans le... Elle est tombée mais sans sauter. Bah attends, on va voir la vidéo. Ah, ok. Mais sans sauter, bah ça c'est grave. Je l'ai fait, elle a pas trouvé. Mais si, elle a sauté. Putain, si tu tombes à 20 cm, Léane. C'est vrai que c'était une bonne idée. Ah non, mais ça c'est complètement ridicule, hein. Mais en fait, c'est là qu'elle va faire la Macarena pendant le saut. Mais c'est con. Non, mais suicide-toi du pont de cheviré, c'est mieux. Mais tu sais que j'ai déjà sauté les yeux fermés. C'est pas pareil. Pareil. Là, faire la Macarena, j'avoue. La Macarena, c'est comme si tu disais, vas-y, conduis sans tenir le volant en fait. En plus, elle a dit, le but c'était de faire la Macarena, j'ai enlevé mon airbag. Pourquoi elle a enlevé son airbag? Pour mettre un dorsal. C'est quoi un dorsal? Bah c'est un protège-dos mais moins bien que l'airbag. J'ai pas compris le... Parce qu'elle était sûre de tomber. Elle voulait pas payer 25 euros la cartouche. Tu voulais pas payer la cartouche. Ça c'est pas bien. Parce que ça la met en danger elle. Et du coup ça incite le cheval à savoir qu'il y a des cavaliers qui tombent. Tu vois ou pas? Tu veux dire ou pas? Non. En fait le cheval il se dit putain mais il y a des bolos qui vont se mettre à danser sur mon dos et qui vont tomber. Ouais. Tu vois? C'est pas bien. Je sais pas. Je me retiens. J'espère qu'elle était pas en formation la monitrice parce qu'elle aurait pas eu son diplôme. Léane, tu me communiques les informations de ton moniteur que je vous balance à la jeunesse et sport. FFE. J'en ai mis deux, tu choisiras laquelle tu voudras mettre dans la vidéo. Et on va mettre les deux bichettes. Jolie. Bisous, ah oui, et sur les deux vidéos, fais pas gaffe au son, merci. Ah, c'est beau ça. Ah, oula. On y va, hein. Bah t'y vas, bichette. Mais tu vois, c'est étalé sur lui après. Par contre, vous faites exprès de couper les vidéos pour pas qu'on voit la suite ou quoi? Instructif. Par contre, elle est un peu trop sur le cheval, je trouve. Tu sais, elle a dû tirer et tout, j'aime pas ça. Non, elle a grâce ses mains posées. Ah non, ses mains sont posées, hein. Elle lui a pas tiré dessus, hein. Ah ouais. Elle maîtrise, elle tombe pas. Contrairement à vous. Lou. Faut sachez que j'aime ce prénom de fou malade. Lou. Lou. C'est hyper classe. J'aime trop le prénom Lou. Coucou les filles, voici les vidéos, mais j'ai galop 4, c'est pas grave. Mais non, bichette. Ah, c'est hyper grave, nous, on a pas de galop 4 en fait, hein. Oh, comment j'ai pas vu? Mais j'étais pas au milieu. Oh, la petite voix, t'étais pas au milieu. Trop mimes, Lou. Ça fait du bien après, toutes ces chutes, je crois que ça ouais. te... Ouais, ça ouais, te fait vas-y, bien. Fais-moi oublier l'autre. Ah, une rebeu. Faut dire, c'est bizarre, mais c'est très vrai. Rare les rebeux dans les citations. Mais on commence en France. Oui, c'est vrai. C'est rare. Hein. Bah déjà, au niveau, il n'y a pas de rebeux, sauf ceux qui sont dans les. Enfin, qui sont au Maroc et tout. Mais oui, en France. En France, t'en as pas. C'est un truc de ouf, hein, il n'y en a pas. Hein. C'est ouf. Dans mon club, par contre, on est une team. Hein. Ah ouais? Non, mais c'est parce qu'on est à côté des Dervalières et tout. Enfin, ah, bref. Super, quoi. Et c'est un club très. Militant. Très ouvert, militant ouais. Et tout, équitation pour tous. Du coup, on est là, t'as vu? Chama. Ah, j'espère que tu pourras en voir quelques-unes. On va tout regarder, Chama. C'est beau, j'aime bien l'endroit déjà. Ouh! Ouh! Allez! C'est grand. Je peux la faire, Chama. Hein. Ça. Et c'est pas une rebeu pour rien. C'est pas une rebeu pour rien. Elle se tient super bien. Eh, hey, bombarde! Eh! Hey eh, Chama! Ah, hey, Chama. Ah, gentil. Ouais, très très bien. Très bien ça. Chama monte bien. Eh, franchement. Eh! 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 Elle se tient hyper bien. Le cheval. Enfin, moi qui ne connais pas. Non, mais tu captes. Tu vois l'œil. T'as l'œil, chérie. Regarde un truc que tu ne fais pas. Attends, je vais prendre exemple sur toi, Chama. Un truc que tu ne fais pas, elle a à peine sauté, elle regarde direct où elle va après. Gère, hein. Chama, franchement, je suis fière de toi. Ah non, je kiffe. Elle a trop envie de en plus. Tu vois, quand je vois de l'équitation comme ça, là, tu vois, quand je la vois, là, je sais pas, ça là, me dérange, ça dérange pas. Je vois, le cheval, il est là, il bombarde, elle est là, elle est... Tu vois ce que je veux dire? Là, ça te dérange ça pas. Ça me dérange pas. En fait, tu veux que le cheval et le cavalier soient en harmonie. Déjà, ça, oui. Ouais. Ouais, exactement. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas l'équitation qui me pose un problème, parce que sinon je viendrais pas te voir et c'est tout. C'est les cavaliers éclatés, quoi. Non, mais n'importe quoi, je peux pas me permettre de dire ça, mais je veux dire, tu sais, quand je vois des chevaux tomber,
quand je vois des gens de danse comme ça et que du coup le cheval est comme ça, vas-y, ça m'énerve. Tu vois, moi je suis non, mais dans mon tempérament, en fait je suis rouge dans le langage communication. Non, je c'est pas rouge. Je vous explique, je suis rouge. En fait ça veut dire que je cherche toujours l'excellence. Elle cherche toujours Chama quoi. Voilà. Donc moi je suis un peu dure. Mais attends, Chama n'a pas tout regardé. Ah vas-y. C'est un autre cheval là. Bravo. Il est dû à se la pète. Oh le jaloux du rebord de la carrière. Tu vois, elle se tient bien par contre. Elle se tient bien droite. Bravo. Non mais même moi je suis impressionnée, franchement. Non, elle monte super. Elle franchement, super elle a une monte hyper classe. Elle a une monte. Alizée. Je m'appelle Alizée et cette vidéo a été tournée aux alentours de l'hiver 2022. Ça fait déjà un petit temps. Le cavalier et la cheval et le cheval vont bien. On en rigole bien maintenant, j'espère que ça te plaira. Elle se cache déjà. Ça veut dire que c'est une chute, vas-y. Oh putain, oh je le sens pas. Regarde déjà c'est. Mais c'est quoi ça? Il est embarqué. C'est quoi ça? Ça s'appelle embarquer. Quand un cheval il part à fond comme ça. Là regarde, il fait ça. Bah je sais pas, ça arrive hein. Elle a crié? Ouais. Là il l'embarque, elle peut rien faire genre. Et après il lui met une feinte, il s'arrête. Ou elle l'a arrêté? Bah il y a un mur, au bout d'un moment il s'arrête. Mais ils sont dans un jardin ou quoi? Mais oui je crois que c'est son cheval et vous faites à l'arrache quoi. Je crois qu'il monte à l'arrache un petit peu là. Mais c'est, genre c'est toi, c'est possible, t'es sur un cheval et il t'embarque? Mais là on monte dans son jardin à l'arrache, enfin je sais pas, il y a un... Tous les éléments sont pas bons pour être au calme. Tu ok. Vois. Oh bah là, une bombe et tout, heureusement. Ok, Alizée, merci. Ça va, Alizée, hein, t'es une ouf. Hein. Margot, la best. Ah, ça, ok, Margot, la best. Salut, salut. Voici ma presque chute en cross avec un Irish Cob. C'est quoi un Irish Cob? C'est une race. Tout va bien pour moi, mais pendant mon envol, mon étrivière doit. Droit est tombé. C'est quoi une l'étrivière? C'est où tu mets le pied. C'est pas un étrier. L'étrier, mais ce qui tient l'étrier, c'est l'étrivière. Ok. Ah, le cross, tout ce que je déteste. Allez, maintenant, laisse avancer. Mais c'est un cheval de traîneau, ça aussi, encore. Un cheval de traîneau, c'est un cheval de trait. Pourquoi elle a fait ça? Ah oui d'accord. Elle a mal calculé le délire. Bah comment elle a fait? En fait elle est partie mais le cheval il est pas parti. Regarde genre elle y va mais le cheval elle est pas... Les calculs ne sont pas bons. Les calculs sont pas bons Margot, la bête. Ah, franchement elle est trop marrante. Le cheval il l'a même pas calculé. Tu vois là j'aime bien parce que tu sais elle veut faire du cross mais elle fait pas la ouf à vouloir aller vite alors qu'elle gère pas... Enfin alors qu'elle pourrait, peut-être pas gérer le truc. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je commence à comprendre ce que tu... Ma mentalité? Ouais, je commence à capter. J'ai une mentalité nulle? Ouais. Non, j'aime bien. Non, mais c'est moi, arrête! Je sais pas. Non, j'aime bien parce que, tu sais, faut pas mettre la pression. Si ça va pas, ça va pas. Ça va pas exactement. C'est comme je disais un truc, moi, quand je donnais des cours, ouais. Je raconte un peu ma vie, et ben, souvent, les élèves, ils veulent « Ah, oh, moi, je veux galoper, je veux trotter !» Mais moi, je vois très bien que le cheval, il est KO et il a pas envie, tu vois. Mmh. Et moi, je dis, bah non, en fait. Okay, il trottera pas. Non, mais si toi, je sais aujourd'hui, tu trotteras pas. Et j'interdisais les cravaches, moi, en cours. Je sais que tu es bien sur le confort animal et le bien-être animal. Mais des fois, je me dis que tu peux un peu être en travers, tu vois. Dans le cross, non. Le cross, je trouve que c'est égoïste. J'aime pas le cross, je comprends pas. Oh, regarde, elle est sur du cross, là. Oui, mais... Je sais pas, il y a un truc qui me... Non, en fait, tu veux juste quelqu'un qui soit taqué. Non, par contre, le cross, j'aime pas. Même taqué ou pas, le cross, j'aime pas. Vas-y. Ah ouais. Coucou, voici une vidéo d'une de mes chutes et de mes meilleurs sauts. Ok. Allez, la chute. Hé, hey, elle a fait des ralentis et tout. Oh, c'est des beaux concours, ça, c'est des beaux obstacles. Un peu lourde dans les bras, Arwen. Tu trouves? Un peu, là, à la fin. Mais c'est du ralenti, Chen. Là, c'est joli. Là, regarde, là... Elle va s'affaler un peu. Chou. Ah, j'ai capté. Je vois ce qui te dérange. Tu vois ce qui me dérange? Ouais. C'est très, très critique, hein. Oh, c'est beau, hein. Oh là là, il bombe. Oh là là. Bah, qu'est-ce qui t'a... Mais elle s'est évanouie ou quoi? Mais non. Mais c'est rien. On dirait pas un malaise. Ah, elle fait ses étriers. Du coup, elle avait fait à se tenir. Ah ouais, par contre,
t'as pas les étriers, c'est une galère. Ah, c'est une galère. Faut faire de la mise en scène. Tu serres les cuisses. Non, faut suivre les mouvements du cheval. Ouais. Et après avoir des bonnes jambes, tu vois. Ah ouais. Putain, c'est qu'elle a pas eu ses étriers, j'ai même pas vu. Bah, c'est l'œil du cavalier. Tu vois où? Là, c'est bon, elle a perdu ses étriers. Oula, oula. Ah oui, elle est tout elle... Oh putain. En fait, j'ai remarqué quand tu rigolais. Ouais. Oh, c'est quand que ça. Vas-y, analyse-moi. C'est quand le cheval, du moment que le cheval reste droit et que tu vois que lui il trébuche pas, il y a pas un truc chelou, il reste droit, il s'en balèque de la cavalière. Ouais. Ça te fait kiffer. En fait, c'est quand moi je quand toi ça te fait kiffer. Je trouve que c'est quand on empiète sur ça me dérange pas de faire sauter le cheval parce que sinon je n'irai pas des jumping comme je t'ai dit. Mm. Je te soutiendrai pas dans l'équitation et tout. Mais par exemple, j'aime pas les coups de cravache, j'aime pas quand on met en danger le cheval, donc le cross, je déteste. On se permet de sauter, de monter alors qu'on n'est pas au niveau et qu'on s'écrase sur la tête du cheval ou tu vois, des trucs comme ça j'aime pas. Ou les meufs aussi là, tu vois quand on était au centre équestre la dernière fois il y avait une jeune. Ouais. Une fille qui fait des équitations, qui fait des concours. Bah, le cheval il était un peu, tu sais, des fois il voulait faire, genre il allait à droite. Tu sais comme Nala des fois elle nous écoute pas. Oui. Mais on lui met pas des coups à Nala. Il faisait hey, boum, et elle lui tapait comme ça tu vois. Ah ouais? Ouais. Je l'ai regardé mal après. Ah donc. Bah j'ai pas regardé. Ouais mais moi aussi je suis pareil, j'aime pas. Ça m'énerve. Moi tu sais que... Et tu sais quoi, j'avais envie de parler hein. J'ai dit mais vas-y je vais pas parler mais, parce que... Mais tu vois moi par exemple... Mais elle a vu que j'avais mal regardé. Ah ouais. Bah c'est bien. Mais tu sais que moi par exemple le cheval que je monte, Charlie, c'est un cheval un peu comme Nala. Tu sais il fait sa vie, il est là, il s'exprime et tout. Ouais. Moi il bouge, je m'en fiche. Oui toi t'étais même pendant une heure, tu disais mais... Ouais, moi il bouge et pour l'empêcher qu'il bouge, bah, je lui mets du foin, tu vois, je lui donne à manger. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, voilà, il faisait ça là sur la rambarde. Du coup, ça m'a saoulé, tu vois, ça j'aime pas. Mmh. Ça j'ai envie de dire, meuf, prends tes clics et tes claques, tu vas chez toi, tu fais tes devoirs et t'arrêtes de venir, ok? Yanala. On s'en fiche, Yanala. Elle va aboyer. Non, t'aimes pas les chevaux en plus, toi, dégage. Parlez pas comme ça. Hermine, hello, les photos avec la ponette grise, je la travaillais pour la remettre en confiance car elle avait été plantée en P2 en concours. Elle commençait à me faire énormément confiance, la vidéo avec la ponette baie et la ponette d'une amie où j'ai bien galéré et le chacal n'est... Alors je comprends rien. Et le chacal n'est... En gros ça la ponette, la première ponette là, elle est... C'est un ponette. Les filles, ça m'entend. Elle est plantée. Plantée, ça veut dire elle veut plus sauter. Ils appellent ça plantée. Ça, j'ai compris, ouais. Mais elle lui fait confiance à elle. Donc c'est trop mimes. Genre, elle lui fait confiance à elle. Et le deuxième, c'est sa demi-pension. Et je sais pas quoi. Le chacal. C'est quoi chacal? C'est son nom. Ah non, elle voulait écrire cheval. Ah, ok. Ouais. Bah. Il a pas trop l'air de te faire confiance, hein. Oula. Elle est restée dessus? Non, je... Ah, franchement, bien. Bien. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Un peu comme dessus. Chama, là. Une meuf... ça se voit que c'est une meuf elle est comme vénère. Ça. Elle est ça se voit que c'est une meuf Hermine. Mais pourquoi elle saute des petites barres comme ça? Il est beau, hein. T'as vu ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Ça s'appelle des... Ils appellent ça des coups de cul, je déteste dire ça, moi j'ai des coups de postérieur. J'aime pas dire coups de cul. On n'a pas de prénom. On n'a pas de prénom, c'est un peu anonyme. Hein. Bah me dis pas qu'elle monte avec un masque. Bah non, tu vois ça d'ici. Oh, ouais. Oh. Ah ouais. Par contre c'est un grand cheval aussi. Hein. Ah ouais. Ouais, tu vois par exemple je trouve que là elle est pas au niveau pour monter un grand cheval comme ça. Il a à peine sauté. Non, par le contre, cheval par contre, oui par contre elle a pas ouais elle arrive pas à l'accompagner. Il a une grande encolure, c'est pour ça. Non mais grande encolure, grande postérieure, grande je sais pas quoi. Oui mais c'est parce que peut-être que c'est un cheval hyper calme, du coup c'est pour ça qu'il met ce cheval là, tu vois. Et pourquoi elle monte pas un petit poney? Parce que les petits c'est les pires, hein. Les petits ils sont rapides, hein. Ah ouais, ça veut rien dire un grand et petit, hein. Ah ouais. Regarde après si elle le met en danger le cheval. Bah là je pense pas que... Il ah oui mais imagine, ouais. elle, tu vois comme l'autre là qui lui a écrasé le... Ouais. Tu vois? Ah putain, quand je repense à toi. Mei, j'aime trop ce prénom. Mei. Bonjour à vous, voici ma plus grosse chute à cheval, je vous l'envoie sous deux angles différents pour plus d'amusement. Merci. Je suis sourde, ok? Jugez pas. Oui.
Bah pas mine. Non par contre moi je suis contre protège d'eau les gars. Ouais, est-ce que t'es... protège d'eau. T'es contre ou pas? Ah ouais moi qui protège d'eau. Mais pourquoi à un moment tu faisais la ouf et on devait mais surveiller. Mais à l'époque on mettait pas les protège d'eau. Là franchement. À l'époque tu non mais t'as quel âge, non, déjà à l'époque époque. Il n'y avait pas de protège d'eau vraiment. Non mais je sais. Mais là depuis aller. Mais nous en depuis 3 ans franchement faut mettre des protèges d'eau. C'est tout. C'est-à-dire ouais. Que nous quand on te saoulait là en 2000 je sais pas combien. C'était là. Tout nouveau l'airbag, tu sais j'étais dans les premières avant. T'avais la honte de le mettre. Mais oui, j'étais là, j'étais les dans les premières à avoir un airbag. Même la monitrice elle m'a dit "Kenza, t'es sûre que c'est nécessaire le airbag en dressage ?" De même les moniteurs ils disaient ça. Bah ouais, mais vous alors êtes... qui... Ah non, qui est le moniteur disait ça? Je vais aller les voir. Mais les... Bah c'était aux écuries du Clos. Bah je vais aller ça. Vous voir aux écuries du Clos 2, vous faites bizarre. Ils disaient ça? Mais non, il y en avait une qui m'a dit ça. C'est qui? Bah elle est plus monitrice en plus maintenant. Marotte, elle est trop mignonne. Mais c'est juste que c'était... ils étaient pas habitués. Tu peux pas trop reprocher quelqu'un de vouloir se protéger en ouais, fait. Ouais, ça a éclaté. Éclaté. Mais pourquoi elle est tombée par contre, tu vois? Parce qu'elle est. Elle a fait une Georgette, ça s'appelle Georgette. Hein? Quand tu vas avant le cheval, c'est Georgette. Quand tu vas après, c'est taxi. Sérieux? Ouais, tu te prends un taxi, tu te prends une Georgette, esprit une Georgette. Ah par contre, je déteste quand tu parles comme ça. Eh, c'est pris une Georgette, je sais. Non mais arrête, on dirait que tu viens de la... je sais pas d'où là. Mais c'est les termes. Genre tu vas au jumping de la boule, tu dis Georgette. Oui, c'est pris une Georgette. C'est un langage international... International. Georgie. J'étais pris une Georgette. Il y a même pas de texte, par contre j'aime pas... Non mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait ça c'est des... J'ai... En fait il y en a qui m'ont envoyé des vidéos sur Insta parce qu'ils ont même pas pris la peine d'envoyer par mail. Ils m'ont dit s'il te plaît Kenza prends mes vidéos et tout. Ok. Du coup j'ai pris les vidéos mais j'ai pas réussi à toutes les trouver donc j'en ai pris que deux. Ok ça marche. Donc désolée et il y en a que deux quoi. Tu reconnais ou pas? Non oh, c'est grave chez nous. Mais oui. Bon est-ce que je vais être gentille parce que tu es de Nantes? Les abdos, tu vois, moi j'aime pas. Tu trouves ? Ouais, je serais sa mère, enfin sa mère. Enfin sa mère ou sa, son entraîneuse ou sa sœur ou enfin tu vois la personne qui l'accompagne. C'est ça que je crierais, les abdos ! Tu vois ? Hein ? Moi c'est dangereux parce qu'Inch'Allah mes enfants je veux vraiment qu'ils fassent du sport. Moi je voudrais bien que mes enfants fassent de l'équitation. Mais ils font pas de l'équitation Il faut faire un sport à côté. Mm-mm. Tu peux pas juste aller monter à cheval. Mais c'est ce que je t'ai dit, il faut faire du sport à ouais. côté. Il faut que t'ailles courir, il faut que t'ailles. Après, quand t'es jeune, tu vas pas te muscler tout de suite, mais si en fait. Cardio. Du cardio, de l'endurance et un petit peu d'abdos quand même. Et ça, c'est un bon conseil parce qu'il faut le faire. Bah oui, parce que tu peux pas, regarde là, hop, ça se voit, il manque des bras, il manque des abdos. Je pense que tu la juges un peu mal. Hein. C'est pas parce qu'elle vient de mon club que je la défends. Mais non mais tu la juges un peu mal parce c'est que pas mal. Son c'est... cheval il est lourd aussi. C'est hein. pas mal. Regarde. Elle accompagne et tout, elle donne toute sa vie, hein. Je suis désolée. Hein. Ouais. Tu trouves que je comment? T'es horrible! Je tiens à vous dire, ne vous vexez pas. Mais de toute façon, c'était le but de la vidéo, il c'était savait. C'était le but, vous le saviez. Quelle bah, est en fait, cette pas personne? En fait, Cyrine, elle est pas horrible, c'est juste qu'elle est... Elle est vénère, tu vois. Ça serait le coach en cours qui te crie dessus et qui te laisse rien passer. Bah moi, je serais... Par exemple, Inch'Allah, quand j'aurai des enfants, genre, ils vont faire un sport, mais je pourrais pas... En fait, c'est un peu chiant. Mais en maman, fait, elle est comme ça aussi. Ouais. T'es hyper direct. Il y en a, ils vont pas aimer. Tu sais, ils peuvent genre putain, elle est trop dure cette monitrice et tout. Je t'ai mis en mode. Mais moi, monitrice. Inch'Allah, quand je. Attends, mais... je t'ai pas dit vite. Ah, oui. Moi, Inch'Allah, quand j'aurai des enfants, tu vois, quand ils vont faire un sport, je voudrais bien qu'ils fassent de l'équitation. Okay. Je serais pas contre. D'accord. Mais par contre, voilà, faut tu peux leur parler à eux aussi. Faut bien le faire, quoi. Tu vois. C'est ça. Bon, en fait, c'est ça qui est. C'est ça, je peux. Ouais, mais tu te rends compte de commenter? Ouais. Non, mais voilà. Dis-moi. Non, mais c'est bon. T'es une meuf qui est une critiqueuse hors pair, mais c'est dit avec le cœur. Elle vous aime. Oui, par contre, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais c'est que quand c'est juste la vérité, non, je rigole. C'est que quand il y a du sport, elle est déterre, elle peut pas s'en empêcher. En fait, c'est quand il y a. C'est vrai que quand. Parce qu'elle est comme ça avec moi aussi, je vous promets, c'est pour ça que je lui dis de plus venir me voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien rigolé. Faut rigoler de nous-mêmes, hein, nous les cavalières un peu lourdes sur nos chevaux. C'est même pas vos chevaux en fait. Ouais grave, déjà c'est même pas nos chevaux. Bon ça c'est pas grave. Non je rigole. T'es hyper méchante. Mais c'est bon, c'est juste que là je suis voilà quoi. Si vous voulez une partie 2, dites-nous dans les non, commentaires. Non on a pas dit qu'on ferait une partie 2. Moi j'en veux pas en vrai. Parce que je peux plus accepter tes critiques. Ah si vas-y moi j'aimerais bien. Ouais bah voilà maintenant que je dis que j'en veux pas tu dis que t'en veux si, une si, j'aime bien. Envoyez vos vidéos de ouf. L'adresse mail elle est juste là. Envoyez vos vidéos, faites-vous plaisir. Et nous on verra bien quand on tourne cette vidéo. En tout cas ça sera dans la boîte mail quoi. Merci beaucoup et on vous fait plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bisous. Cœur.